Salut! In this video, you're going to access some amazing resources in French entirely for free. How about that? Bonjour, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy, and I have the pleasure today of interviewing Sylvie from Made in France. Des ressources que tu as particulièrement en français. Tout d'abord, peut-être le Mag francophone. Alors, le Mag francophone est un magazine trimestriel 100% en français et donc préparé par l'équipe de l'association Made in France. Il est disponible gratuitement en ligne sur notre site internet et ceci depuis septembre 2016. Du coup, est-ce qu'il y a des rubriques spécifiques ou est-ce que c'est classifié par thème? Alors, dans chaque numéro, le magazine est organisé autour d'un thème principal que l'on appelle le fil rouge. Donc, il peut s'agir par exemple de la bande dessinée, de la nature et du développement durable, de l'Afrique. Donc là, je vous donne des exemples de thèmes qui ont été traités. Et puis ensuite, à l'intérieur, il y a plusieurs rubriques. Donc d'abord, il y a les rubriques historiques, donc art et culture, qui proposent des articles en lien avec la francophonie. Ensuite, on a les portraits. Donc, il s'agit d'interviews ou d'articles qui présentent des personnalités du monde des arts et de la culture, mais toujours en lien avec la francophonie. Et puis, la troisième rubrique, c'est intitulée langue. Et là, vous pouvez y trouver des informations ou des anecdotes sur la langue française, comme des expressions idiomatiques, par exemple. Et puis, récemment, on vient d'ajouter une dernière rubrique qui s'appelle « Planète verte ». Et qui est plus orientée vers les questions autour de l'environnement et qui s'appuie sur les travaux d'une éco-artiste, Aline Bloch, avec laquelle on développe un partenariat. Super. Petite pause. Hey guys, if you're getting value out of this video, make sure that you check this video that talks to you about and shows you different products that us French expats miss terribly living away from home. And that actually includes this magazine because you'll notice that a lot of French expats are also into reading Le Mag Francophone. Alors Sylvie, du coup, quel type d'événement est-ce que vous organisez à Made in France? Alors, au sein de Made in France, on organise beaucoup d'activités autour de la francophonie. Et donc, je vais vous en citer trois. Donc, d'abord, on a notre festival annuel de la bande dessinée franco-belge. Donc, ça se passe en novembre, en général, tous les ans. Et vous avez de la chance, puisqu'en fait, c'est un événement qui est hybride, donc qui se passe à la fois en présentiel et en ligne. Donc là, vous pourriez y avoir accès, ça arrive bientôt. Le deuxième événement aussi annuel, c'est le Salon de la littérature jeunesse. Donc là, on invite des auteurs et des illustrateurs qui écrivent ou illustrent des livres plutôt pour la jeunesse. Donc là, encore une fois, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Donc on vous encourage à vous inscrire. Et le troisième événement qui là est plutôt et qui est récurrent tout au long de l'année, deux fois par mois, on invite des personnalités du monde de la francophonie, donc des arts et de la culture. Ce sont des interviews publiques. Et en fait, à partir de ces interviews, en fait, on écrit des articles qui vont être publiés dans le magazine, dans le Mag Francophone. Donc voilà le lien. If you enjoyed the video, give it a thumbs up to support the channel and make sure you subscribe so that you can be notified of the next upcoming videos. Of course, all the resources provided to you by Made in France, including Le Mag Francophone, are in the description of the video. So please subscribe so that you can read these amazing magazines available to you online. À très bientôt, les amis. Merci, au revoir.